Dominique, on est quoi, 10 minutes avant l'arrivée? Comment tu te sens pour toi? C'est fait ou ton expérience te dit que non? Ah non, c'est non, tu sais bien que tu n'as même pas besoin de me poser la question. C'est 10 minutes et les 10 minutes là peuvent être catastrophiques. On a déjà vu, donc on va attendre patiemment que le drapeau se baisse et puis là on va pouvoir savourer. Tu es entre deux émotions encore. Oh, ouais, mais on va attendre quand même la fin de la course. Allez. Il y a 3 minutes, je te demandais comment tu te sentais. C'était pas la même émotion là. On sent que tout est libéré. Oui, non, c'est vrai. Parce que si tu veux, 3 minutes avant, c'est jamais l'arrivée. Il peut toujours se passer quelque chose. Après, c'est plein de déconvenus. C'est plein, toi, tout s'écroule. Alors, faut mieux attendre. À peu près serein, si tant est qu'on puisse être serein, 3 minutes avant une arrivée. Et puis après, t'exploses quand le drapeau est baissé. Comment ça se fait là? Tu te transformes là dans ton corps. Oui, parce que si tu veux. Il y a une semaine de tension, même. Voilà. Il y a un hiver de tension. Il y a une semaine qui est sur tension, si tu veux, 24 heures. Alors là, 24 heures, c'est pas la tension, c'est du travail, c'est de l'attention. Et puis, il faut bien que tu libères un petit peu. Ça dure pas très longtemps, si tu veux, le fait de libérer. Mais d'abord, c'est un bien nécessaire. Et puis, voilà, c'est la grande joie, le grand bonheur, parce que c'est une course qui a été difficile, qui n'était pas gagnée d'avance. Et puis, on a pris la tête au début, et voilà, quoi, c'est bon. On va te laisser savourer, en tout cas bravo, félicitations Dominique. Va accueillir la BMW numéro 99 avec Sébastien Gerbert, Erwan Nigon et Dan. On va applaudir le team Kawasaki SRC avec Olivier Four, Julien Lacosta et Grégory Leblanc. Dans quelques instants, je vous demande un triomphe pour l'équipe qui aura dominé de la tête et des épaules cette 75e édition. Il termine à un tour du record de la distance. Et en revanche, l'homme qui va rentrer, qui va monter le premier sur ce podium est désormais recordman à égalité avec Dominique Servet et Gustave qui rejoint dans la légende du record. Et c'est un très bon début de saison pour vous. Oui, c'est vrai. On a surtout eu la chance d'avoir une équipe qui a travaillé dans la